Un direct de la gauche qui a touché. Matapos ng anim na magkasunod na laban sa Japan nitong Pinoy na si Ricky Sismondo, ang Incredible Hulk ng Pilipinas, dumayo ito sa Canada upang sagupain ang bato-bato ang katawan at kinatatakutan na pambato ng Canada na si Derry Jean na may alias na All In. May 29 wins, 2 losses at may 20 knockouts. Hindi ito basta-bastang kalaban si Jean, mga tol, dahil isa itong North American Boxing Federation light welterweight champion at ang dalawang talo nito ay nagmula lang pareho sa world title fight. Ang una ay kontra kay Lamont Peterson para sa IBF super lightweight title. At ang pangalawa naman ay kontra kay Terence Crawford para naman sa WBO super lightweight title. Kaya napakadihado dito ang ating Pinoy, mga tol, na si Sismondo, kung saan gawin lang daw itong pampataba sa record ng Canadian champion. Tara, mga tol, ating panoorin kung paano ginulat ng Incredible Hulk ng Pilipinas ang batubatong Canadians sa kanilang balwarte, kung saan bumagsak ito ng dalawang beses. Dala ng Pinoy na si Sismondo ang record na 30 wins, 9 losses at may 13 knockouts, habang si Jean naman ay may kartadang 29 wins, 2 losses at may 20 knockouts sa laban na ginanap sa Metropolis, Montreal, Canada. Sa pagbungad ng round 1, mga tol, napakaganda ang mga jabs na binitawan ng Canadian fighter, habang ang Pinoy naman ay pinag-aralan pa kung paano ipatama ang kanyang mga suntok. Gant différent, un gant rouge est un porte-bonheur pour moi. Une... Il faut que je vois ça. Une superstition, probablement. Ouais, un défaut dans le gant. Okay, comme je vous disais, Sismondo a fait beaucoup de décisions partagées, donc ça veut dire qu'il doit être fatiguant sur ses adversaires. Je pense que du côté de Tiger, on a voulu tester tester le dirigeant pour voir s'il était vraiment sérieux et prêt à revenir. Et là, c'est Sismondo qui lance des coups. Le jab de Derry Jean a suivi. Belle combinaison de Derry Jean. Oh, beau coup au corps, une main droite au corps, suivi d'une droite indirecte à droite à la tête de Sismondo, qui a répliqué avec un crochet. Jab de Derry Jean est très, très, très solide. On s'observe. On est à mi-chemin dans ce premier round d'un combat prévu pour 8. Beau jab de Derry Jean qui passe dans, entre les gants. Sismondo qui réplique avec un crochet, mais tout de suite Derry Jean est allé d'une combinaison qui est partie d'un jab et d'un crochet de la droite. Ensuite, Sismondo a les mains rapides. Le beau jab de Derry Jean qui touche le front de son adversaire. Encore un jab de Derry Jean. La combinaison corps-tête de Sismondo. Derry Jean qui travaille beaucoup avec son jab. Belle main droite au corps, deux mains droites au corps. Main droite à la tête, main gauche, main droite. Très actif, Derry Jean. En haut, en bas, au corps, à la tête, au corps, à la tête, Derry bien. Encore une fois, un crochet de gauche, crochet de droite. Combinaison, et on finit au corps par Derry Jean, très actif. Gros rythme, exactement, gros rythme pour un premier round. Derry Jean est en feu. Sismondo qui continue de mettre de la pression avec les mains hautes. 30 secondes à faire dans ce premier round. Belle main, beau crochet droite. Suivi d'un uppercut à droite. Un jab de Derry Jean qui touche la cible. Sismondo lance des coups au corps et le coup est un peu bas. Il a terminé avec un crochet de gauche à la tête de Derry Jean. Beau crochet droite au corps, le Derry. Ouais. Sismondo revient sur Derry Jean. Mais n'atteint pas. Sa round 2, mga tol, maagang umatake ang Pinoy na gustong palambutin ang bato-batong Canadian. Combinaison suivi d'un jab. Le crochet droit de Derry Jean.
Et là, évidemment, Sismondo qui a touché à quelques reprises, dirigeant la tête deux fois, trois fois, beau crochet de droite, crochet de gauche, crochet de... dirigeant est revenu de la droite. Sismondo. La droite, effectivement, qui a touché dirigeant. C'est sa pression avec les mains. Avec les mains. Et là, Sismondo est agressif, frappe dirigeant la tête, la droite et la gauche. Dirigeant qui doit retraiter, reculer à droite et une gauche. Sismondo qui voit au corps et à la tête. Dirigeant revient avec un crochet de la droite. Passer un uppercut. Sans la tête droite. Il doit rouler sous les. Les combinaisons de dirigeant. Droite passe bien par ouais. Pour dirigeant. Qui a appliqué avec un beau petit crochet de gauche. Et dirigeant est revenu avec une combinaison à la tête et au corps. Là, et oh, le pied a tourné. Oui, là, dirigeant. Par-dessus. Sismondo qui touche. Dirigeant dans un combat, ouais. Le rythme avait ralenti. Dans un vrai combat maintenant. Dito sa round 3 mga tol, mainit pa rin ang palitan ng mga malalakas na suntok ng dalawang fighters kung saan ang Pinoy talaga ang umaatake. Sa troisième round, dirigeant qui a eu un deuxième round plus difficile. J'ai donné le deuxième round à Sismondo, a touché avec les meilleurs coups de poing, a fait mal selon moi dirigeant. Dirigeant doit absolument, écoute, couper le rythme un peu de Sismondo. Sismondo qui met une grosse pression avec les mains hautes. Et là, le jab de dirigeant. Sismondo semble être en confiance après le dernier round qui a été à son avantage. Jerry lance des jabs qui passent à travers la garde de Sismondo, mais sans grand effet, semble-t-il. Et Sismondo qui revient encore avec un crochet de gauche qui a touché dirigeant. C'est Sismondo qui a, au volume des coups actuellement, un plus grand volume que dirigeant. Un volume, mais il ne touche pas présentement. C'est la non, pour l'instant, il ne touche pas. Dirigeant esquive bien les coups. Et Thierry vient de placer un beau petit crochet de gauche. Il garde ses mains plus hautes aussi présentement. Donc, c'est intelligent. Il utilise sa vitesse. Donc, c'est vitesse contre puissance présentement. Dirigeant qui jab. C'est ce qu'il doit faire. Jab, il change de position tout de suite. Oui, se déplace de gauche et à droite, pour l'instant sur sa droite. Tout garder la tête dans les airs, là, il descend un peu son niveau. C'est bien. Il doit bouger tout de suite après. Il ne reste pas devant lui. Et là, Sismondo qui a atteint dirigeant de la gauche et de la droite à la tête. Je trouve que Thierry prend beaucoup de coups à la tête. Doit utiliser son jeu de pied. Il a tout été reconnu pour justement de contrôler la distance en bougeant bien, donc doit être plus rapide sur ses pieds. Et là, c'est Sismondo qui systématiquement s'avance vers dirigeant et c'est dirigeant qui doit retraiter. Et là, il est appuyé dans les câbles. Il s'est fait frapper au corps et à la tête. Et Sismondo qui vient encore de le toucher de la gauche et de la droite. Ça ne semble pas avoir ébranlé dirigeant. Non, mais à long terme, c'est ce qui va l'épuiser. C'est trop de coups. Le rythme est trop élevé pour lui. Il a passé un bel uppercut sous la garde de Sismondo, mais il est revenu tout de suite. Le Philippin du Japon avec sa combinaison à lui. Un rythme très élevé. Un coup au corps, la gauche, porté par Sismondo. Il a surpris dirigeant avec un crochet de gauche alors qu'il semblait viser le corps. Il avait la tête très basse. Encore une fois, dirigeant doit baisser son niveau. Boxe très grande, boxe très haut. Doit baisser son niveau pour s'assurer de frapper et rester plus bas. Et offrir moins de cibles. Et là, il y a un échange très violent à la tête des deux boxeurs. Les deux se frappent violemment en cette fin de round. Dito sa round 4 mga tol, agresibo pa rin ang Pinoy na si Sismondo, ngunit hindi din natinag ang pambato ng Canada na nagpatama din ng magandang counters. Reprise de ce round. Jean est un peu moins rapide sur ses jambes justement, c'est baissé, a forcé juste son adversaire à reculer, donc c'était bien. Doit offrir moins de cibles à son adversaire. Oh, et là, encore une fois, Madouma s'est fait toucher par la droite de Sismondo. Et là, les coups de Sismondo semblent passer facilement à travers la garde de dirigeant. Encore une fois, il y a un crochet droit qui a passé, selon ce que j'ai vu, mais j'avais l'arbitre devant moi. Il ne craint pas la puissance de dirigeant, donc souvent, ils vont oser frapper en même temps que dirigeant.
Le jab de Dirigeant qui touche, mais ça ne se ralentit absolument pas, Sismondo. Thierry dans les caps, sort de là, revient vers le centre du ring. Sismondo qui frappe dans les gants de Dirigeant. Très agressif du côté de Sismondo. Oui. Jusqu'ici, c'est lui le boxeur le plus agressif. Et là, il y a un coup qui a fendu l'air de Dirigeant, un crochet de droite, mais bien évité par Sismondo, qui revient, lui, qui place des coups à la tête de Dirigeant. Dirigeant qui est presque adossé au câble, sort de là, se déplace sur sa gauche. Le jab de Thierry, qui passe à travers la garde de son adversaire. Le crochet de droite de Sismondo. Le direct de la gauche, le jab en fait au corps. Hey, une main gauche, un direct de la gauche. Et là, l'échange de Quindiela. Et là, Dirigeant s'est fait toucher vers une droite, ami. Un genou au tapis. C'était une gauche, mais il y a eu une droite. Mula sa palitan ng mga suntok, bumagsak ang Canadian na si Jean. Ngunit, nalampasan pa nito ang bilang ng referee. Direct de la gauche qui a touché. Dirigeant s'est fait toucher vers une droite, ami. La droite a touché, suivi de la gauche. Et Dirigeant a mis un genou au sol. Première chute au tapis dans ce combat pour Dirigeant. C'est reparti. Les jambes sont mollées. Oui, les jambes sont molles pour Dirigeant. Maintenant, c'est... Ça va être un combat très, très long. Ça va être difficile. Récupérer face à un boxeur oui. Agressif. Et là, encore une fois, Thierry Jean a été ballé, n'est pas allé au sol. Et là, Sismondo qui martèle son adversaire. Thierry Jean n'a d'autre choix qu'il reste moins d'une minute dans ce round. Thierry Jean est en mode survie. Et là, Sismondo qui martèle son adversaire. Thierry Jean se déplace. La gauche de Sismondo, la droite. Des deux mains. Plus bas un peu, exactement, le faire rater par là, Thierry Jean a d'autres choix, mais là, il est dans les câbles. Et là, il s'est fait frapper encore. Mula sa kombinasyon ng Pinoy, bumagsak ulit si Jean, ngunit nakatayo pa rin ito at lumaban. C'était une glissade. Un autre compte pour Thierry Jean. Mauvaise décision cette fois selon moi de l'arbitre. Oui, c'était plus une glissade. Deuxième erreur pour ce même arbitre. Ouais. Et là, c'est Sismondo qui revient alors qu'il reste que quelques rondes. Et là. Sa round 5 mga tol, binilisan ng Pinoy na si Sismondo ang pag-atake upang tapusin ang Canadian na si Jean. Ngunit matibay talaga ito at nagpatama din ng counters. Pour savoir si l'arbitre va arrêter le combat. Donc, il est vraiment en contrôle et en confiance. Les yeux de Dirigeant sont presque fermés. Oui. C'est difficile pour Dirigeant. Sismondo qui, lui, ne ralentit pas, continue d'attaquer et d'attaquer Dirigeant. Qui fait rater Sismondo en roulant sous les coups de poing. Il doit rester plus bas pour rouler sous les coups. Chaque fois qu'il touche Sismondo, ça n'a aucun effet à placer quelques coups de puissance qui non seulement n'ont pas fait reculer Sismondo, mais il est revenu en force. Et là, encore une fois, il touche. Effectivement, il a l'œil gauche complètement fermé. Dirigeant, l'œil gauche complètement fermé. Que la tête droite s'est fait toucher encore une fois qu'un direct de Sismondo. Il vient placer un crochet gauche, Dirigeant. Le jab de Dirigeant. On est passé la mi-chemin dans ce round. Encore une fois, un 2-1 de la part de Sismondo, la droite. La droite percutante de Sismondo qui en a raté une autre. Heureusement pour Dirigeant qui a l'œil complètement enflé, l'œil gauche. Jean qui doit rester plus bas, garder son jab, mais baisser ensuite, baisser. Et voilà encore une fois,
Le crochet droit de Sismondo qui a touché Thierry Jean, qui a dû se déplacer, sortir de là. Thierry, très courageux, reste dans le combat quand même. Place son jab. Ralentit le rythme tranquillement, ce qui est bien. Le Sismondo n'a pas envie, lui, de ralentir le rythme. Lance son jab. Trentaine de secondes à faire dans ce cinquième round. Touché Sismondo. Thierry Jean fait maintenant un combat de courage. Alors qu'on est dans les dernières secondes de ce cinquième round. Et Sismondo reste en rondeur, mais là Thierry Jean a une bonne. Sa round 6 mga tol, wala pa rin gustong bumigay sa dalawang fighters kung saan malalakas pa rin ang mga suntok na pinakawalan. Et en reculer Sismondo, le pousser, oui. Le bousculer, doit le faire un peu plus. Et Sismondo revient sur Thierry. Ben, beau crochet de gauche de Thierry Jean qui a fait bouger la tête de Sismondo, mais qui revient. Thierry longe les câbles. Ah, il est à dos au câble maintenant. Il reste plus bas, reste plus bas. C'est excellent. C'est mieux fermé. Ben, l'arbitre qui intervient pour je ne sais trop quelle raison. Pas fort ce soir, monsieur. Et monsieur Manolo. Coup de tête léger. Ouais, mais là, laisse les gars faire, là. Et là, c'est. Il manque de qualité un peu présentement dans les coups de poing de Sismondo. Oui, moins précis que c'était Sismondo ce qu'il était dans les rounds précédents. Exactement, rate beaucoup présentement. On a dépensé beaucoup d'énergie. Absolument, mais c'est juste un combat de 8 rounds, donc le dirigeant doit frapper le corps. Et là, Sismondo est allé sur une glissade au sol alors qu'il entreprenait d'accrocher son adversaire. Aurait pu se faire très mal là-dessus, la façon dont il est tombé. Deux beaux crochets de la droite suivi d'un beau jab en plein visage de Sismondo qui semble en arracher un petit peu plus maintenant. Bien placé par contre un beau petit crochet de gauche au visage de Thierry Jean. Beaucoup moins précis le Philippin japonais. On est au centre du ring. On accroche. Bien présentement ne laisse plus des grands coups, ne recule plus la tête droite, donc descend un peu plus bas. Ben, c'est ce qu'il aurait dû faire avant. Oui, mais des fois, c'est le réflexe. T'es habitué d'être plus rapide. Oh, il a passé un uppercut qui a envoyé la tête presque dans le dos, la tête de Sismondo dans le dos. Mais Sismondo revient a placé un super crochet droit au visage de Thierry Jean qui a reculé. Mais là, Thierry ne veut pas sortir de ce combat-là. Quel courage de Thierry Jean! Quelle pugnacité de Sismondo! C'est un bon combat jusqu'ici, spectaculaire, intense. On ne se fait pas de cadeau. Et les coups viennent s'échanger, deux coups de puissance de chaque côté. Go, go! Jean qui tourne bien, on a vu Sismondo toucher au corps tranquillement. Encourageant pour le dirigeant. Dans les dernières secondes du round. Dito sa round 7 mga tol, sabayan pa rin ang dalawang boxers na gustong makakuha ng impresibong panalo. Le ventre dans les câbles est revenu vers le centre du ring. Thierry Jean est là, bien placé suite à un beau jab. Sismondo a placé une main droite qui a tout touché Thierry Jean. Oh! Et là, c'est droite de dirigeant. Oui, main droite. En même temps que Sismondo lance un coup. Sismondo prend un coup de poing. Écoute, très en forme. Il est solide. Grand crochet droit de Sismondo. Beau travail au corps ici. J'aimerais ça que le dirigeant devrait travailler pas après travailler au corps. Exactement, ne pas sortir la tête haute après. Mais il n'y a pas de grosse cible. Exactement, mais en reculant la tête, c'est là qu'il peut se faire frapper. Frappe au corps, reste collé sur ton adversaire. Et Sismondo avait réussi à placer un uppercut. La gauche, encore une fois. Crochet de gauche qui a touché Thierry Jean au visage. Il utilise beaucoup le droit de jab justement pour pousser la tête. Des gens qui reculent la tête droite, donc c'est dangereux. Et là, Sismondo qui
tente d'engager les choses, mais dirigeant danse maintenant, se déplace beaucoup ben, plus qu'il ne le faisait. Et là, c'est la combinaison jab droite de Sismondo qui a touché dirigeant, mais il n'avait pas beaucoup de puissance là-dedans. Thierry qui a tenté un coup de circuit avec sa droite, mais n'a pas réussi à toucher. Cette fois-ci, a touché. La crochet droite a touché Sismondo au visage. Il lui revient avec des coups qui sont imprécis. Une droite à la poitrine. Jean qui essaie de frapper le corps un peu. Et là, il y a eu deux beaux crochets de Thierry Jean de la droite qui ont touché Sismondo. Il a placé un uppercut et une droite. Et là, Sismondo qui revient, on s'échange des coups. Un combat à haute intensité alors qu'il reste une quarantaine de secondes à faire dans ce septième round. Écoute, quelle volonté de dirigeant qui travaille au bout de ses bras, qui touche tout le temps. Sismondo qui essaie de le faire rater. C'est vraiment impressionnant de le voir, la détermination de ce boxeur-là. On espère le coup miraculeux. Ricky Sismondo, originaire des Philippines, maintenant résident du Japon. Belle droite de dirigeant ici en tournant. Il y a des gens qui se déplacent, beaucoup n'ont pas le choix. Sismondo qui lance des jabs, a les jambes beaucoup plus ouvertes qu'il ne l'avait en début du combat. Sismondo, ouais, la fatigue doit commencer à le rattraper lui aussi, Sismondo. Et là, les coups sont larges, mais... Dito sa round 8 mga tol, grabe talaga ang tapang ng Pinoy na umatake habang nagbitaw din ng mga counters ang Canadian boxer. Et là, c'est fait toucher solidement des deux mains par Ricky Sismondo. Le jab, et là, les coups sont larges de Sismondo, mais le jab de Thierry Jean est beaucoup mieux. Et Sismondo n'arrête jamais. Il vient de se faire toucher par Thierry Jean d'un crochet de la droite, mais revient tout de suite. Jean qui touche. Il doit trouver un coup de poing pour envoyer au plancher son adversaire parce que présentement, écoute, ça sera difficile d'aller chercher une décision. Avec les deux chutes au tapis, il doit être en arrière dans le combat. Bon jab. Oui, deux beaux jabs. On voit le rythme ralenti, donc le dirigeant voit les coups de poing venir, réussit à contre-attaquer. Mais ça en prend plus encore. Là, c'est... dirigeant qui semble contrôler le jeu actuellement au centre du ring. Lance son jab. Sismondo maintenant se déplace. Revient sur dirigeant. Lance une combinaison droite-gauche qui a touché, mais il n'y avait pas beaucoup de force dans cette combinaison. On est au corps à corps. L'arbitre demande le bris. Qui recule bien, mais qui recule. Oui, là, Thierry Jean lance une belle combinaison à partir d'un jab. Il revient avec un beau crochet de gauche au visage de Sismondo. Belle attaque. Thierry Jean est en train de gagner ce round. Sismondo est moins efficace dans ses combinaisons, moins précis qu'il ne l'était. Mais il s'en prend plus. Ça prendrait un coup au corps ou un coup pour justement couper les jambes de Sismondo parce que c'est pas assez malheureux. Il prendrait une chute au tapis, effectivement. Oh. Sismondo vient de toucher le dirigeant. Un bon jab, un droit de jab encore une fois. Et là, le dirigeant vient de placer un beau petit crochet de droite. Ensuite, fend l'air. Touche avec une belle droite ici, l'uppercut à l'intérieur, ça vient. Belle droite encore de Thierry Jean, une autre belle droite, encore une droite. Talagang mas lalong umiinit ang dalawang fighters dito sa huling minuto ng round, mga tol. Thierry Jean, une droite et une gauche, et heureusement que c'est la fin du round. Je ne suis pas certain que Thierry Jean aurait pu survivre s'il y avait eu 30 secondes de plus. Alors, mesdames et messieurs, après 8 rounds d'une intensité incroyable, in 10 rounds, we go to the scorecards. But before going, let's give these two warriors a tremendous round of applause. Alors, voici la décision des juges. Here's the judge's decision. Le juge Marie-Josée Guérin scores it. 76, 74, 76, 74, dirigeant. Le juge Benoît Roussel has it. 76, 74, 76, 74, Sismondo.
Et le juge Leblanc, Judge Leblanc has it. 75. 75. We have a draw. Combat 2. Je ne dirai pas ce que je... Pagkatapos ng laban mga tol, laking gulat ng kampo ng Pinoy na dalawang beses nito pinabagsak ang Canadian ngunit nauwi sa draw ang laban. Tungkol naman sa inyong score sa laban, pag-usapan na lang natin yan sa baba. At salamat sa suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.